Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle Muroscopie, la première de 2022 d'ailleurs. Et j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vous avez connu les applications qui subissent des mises à jour, des appareils qui peuvent subir des mises à jour. Eh bien, c'est aussi le cas de certaines séries. En l'occurrence, il s'agit d'une série qui a fait sensation à sa sortie, et notamment pour des raisons assez légitimes, parce qu'en fait, il s'agit de Squid Game, n'est-ce pas ? Une série qui propose à des candidats de participer à un jeu mortel. Voilà, puisque comme c'est des gens fauchés, eh ben, le seul moyen de se refaire, c'est d'aller jouer à un jeu. Mais si on perd, on meurt. Et du coup, quand cette série est sortie l'année dernière, j'étais un des premiers à m'y intéresser. Je me suis dit, tiens, mais on n'a pas d'audio description en français, c'est triste. On en avait qu'en coréen, il me semble d'ailleurs, je crois bien. Donc, c'est le problème de Netflix, en fait, parce qu'ils sont toujours à audio-décrire localement les productions, leurs productions originales. Et c'est contrairement à Apple, par exemple, qui audio-décrit systématiquement toutes ses séries. Et ben Netflix, en fait, c'est uniquement dans le... dans la langue du pays de production. Voilà. Donc c'est un peu comme Amazon en fait. Le problème de Squid Game, c'est qu'il y a énormément de scènes visuelles. Et du coup, ben si on voit pas, c'est compliqué. Clairement, c'est compliqué. À tel point que au bout du 3 ou 4e épisode, j'ai laissé tomber. Parce qu'il y a des trucs, si on n'est pas avec une personne voyante, et ben on passe à côté de certains trucs qui sont, à mon sens, importants. Il n'y a pas longtemps, je me suis dit, tiens. Je l'ai lancé comme ça par hasard, et j'entends une audio description. Je me dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que j'aurais raté mon coup à sa sortie? Mais en fait, non. Parce que je m'en souviens très bien, à l'époque, j'ai regardé même les langues, et on n'avait pas d'audio description. C'est une audio description qui a été réalisée au cours de l'année 2021, peut-être probablement fin 2021, et qui a été introduite dans la série... sur Netflix en 2022. Je voulais partager avec vous cette nouvelle parce que c'est rare que Netflix met à jour une série et nous propose de l'audio description en VF. C'est une description qui a été dite par François Montagu. La porte s'ouvre, la lumière s'allume. Un dirigeant au masque orné d'un carré est escorté d'une dizaine de soldats. Tous avancent, les joueurs se lèvent. Vous avez tous remporté la première épreuve. Sincères félicitations. Que beaucoup de gens de notre communauté connaissent probablement parce que c'est un comédien qui lit énormément de livres audio, notamment ceux de Stephen King, entre autres, enfin certains d'entre eux. C'était aussi la voix de l'audio-description de la série Lupin, pour ceux qui connaissent, une autre série Netflix qui est française pour le coup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir.